Nous, c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous pouvons chercher le poté le baou, Jean-Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Dépendamment de l'heure, vous pouvez regarder la vidéo ça. Et pas oublier qu'on se met en pemba qui c'est Marchandise Haïti. Jeudi, c'est mercredi 11 d'août 2021. Nous pouvons quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité. N'a pas de tout le monde qui a regardé vidéo ça, pas oublier, ba nous encouragement, abonnez à la page que vous avez regardé vidéo ça, que ce soit sur Facebook ou bien YouTube, abonnez, vérifiez cloche notification à chaque fois que vous avez une nouvelle vidéo ou capable de jouer une notification. N'a pas commencé avec un dossier ça qui a fait un peu parler dans la République, côté médias colombiens, parmi eux, El Tiempo continue à part. La guerre, une série de dossiers que moi-même, moi considéré comme diversion jusqu'à maintenant. Et je vais dire pour qui ça, et moi qualifier comme diversion. Et une série de journalistes qui prennent tout ça, médias colombiens, ou dit pour l'évangile. Donc moi-même, parle comme ça. Moi, plus, ouais, ces mouvements qu'a fait pour blanchir colombien. Tendez causer, mes amis. Tendez comment médias colombiens ont cherché à manipuler l'opinion publique. Dans un article que le journal El Tiempo publié, jeudi mercredi 11 d'août 2021, d'abord il fait qu'on est 17 jours avant assassinat président, soit 20 juin 2021, c'est première date qui était Kembe pour arrêter président. Donc il fait qu'on est président échappé de un assassinat. Donc date ça, il était prévu arrêter président depuis l'aéroport après d'être sorti participer dans une activité dans pays étranger. Mais à la dernière minute, te gen yon empêchement qui cause arrestation président pas te rive fait. Donc ça qui t'a pral fait, yon reporté donc date là pour 7 juillet 2021, date qui finalement yon te assassiné président. Donc c'est dans sens ça qui fait journal la fait quoi? Président Jovenel te sauvé en bas yon attaque à exam 17 jours avant la moli. C'est parce que mercenaire te planifié pral na date 20 juin depuis dans l'airport là. L'autre partie dans l'article là qui est vraiment intéressant, selon moi même, ça qu'a fait là, il n'y a pas un bail qui a fait simple comme ça, et m'a fini pour nous. Après ça, m'a dit qui ça me pensait. Dans l'article là, que le journal El Tiempo écrit, il a parlé de 865 376 dollars américains qui t'a investi dans l'opération pour assassinat président. Par CTU, qui c'est compagnie qui te recrute mercenaires avec Worldwide Capital qui est basé aux États-Unis. Mais selon le journal là, l'agence a yo t'a pral récupérer yo nan jou yo t'a assassiné président la Kaili 7 juillet. Le tour cap mené opération a été retiré en dankay ancien président 45 millions de dollars américains cash dans deux valises noires avec deux boîtes. Et puis journal là fait qu'on est 18 millions nan kob si la t'a servi pour t'a payer mercenaire si tout bagay était bien passé. D'après journal El Tiempo qui fait référence à un document 120 pages de CPJ qui t'a gen détail ça yo là-dedans, c'est à 18 millions de dollars ça qui t'a convainc mercenaire colombien yo pour yo mener opération si la rentrer kay président sous condition qu'il a touyé seulement président et puis prend kob la pote aller. An font réfléchir mes amis. Jean journal colombien la gueule la question cerveau crime nan DCPJ ak FBI a chercher ya. Si c'est comme ça, c'est comme si yo vle faire comprendre toute motivation c'est soi-disant 45 millions de dollars qui te bail président, qui te caille président, c'est avec yo t'a pas fait paywall, c'est lui qui te motivé yo à faire crime nan. Est-ce que une senti démarche qu'a fait là mes amis? Automatiquement on moun ta quoi? Et c'est tout bon kay président te gen toute l'argent ça et c'est lui qui t'a pral servi payroll et yo di environ 800 000 dollars compagnie sécurité qui te bail mercenaire job là c'est dans comme ça qui kay président yo t'a pral récupérer. C'est comme si yo tout vle di ou question cerveau qui des zak là pile l'argent pile monde pense gon monde qui bail yo. Donc pas gen ça gens ou vle faire comprendre non parce que financement zak là li paraît comme si au dou c'est kay président yo t'a pral pral. Ça veut dire yo te connaît gen aussi qui sa ban kay président. En tout cas m'a dit chaque grain moun k'ap tande masu la jusqu'à maintenant ça rete nan kadyon diversion.
Et journal la fait qu'on est tous deux parmi moun qui te gen mission rentrer kay président parmi yo Doubelna et Capadol. C'est monsieur qui t'a parlé dans radio communication et c'est monsieur qui te gen mission fusier président. Donc c'est ça que fait première dame nan te fait qu'on est pendant monsieur t'a fouillé kay là, yo t'a parlé espagnol, li t'a dit non c'est pas ça, oui c'est ça. Donc c'est youn nan mercenaire qui mouri yo Capadol qui t'a parlé à capitaine Ribera qui tirait des DOA. Donc en pile parole parlé dans article si là même pas privé trop loin là-dedans parce que gien pile diversion. Qui ça que fait me dit c'est diversion, nous pral wè pour qui ça parce que gien juge de paix qui fait constat, gien bagaille qui dit dans rapport de CPJ. Donc tout ça qu'a dit dans journal colombien jusqu'à maintenant, c'est pas ça qui dit dans rapport de CPJ. D'ailleurs li clair que selon Radio Métronome, information ça que journal colombien au bail qui fait quoi, mais c'est noté jeune $45 million qu'a ancien président Jovenel Moïse. Donc c'est menti et c'est diversion qu'a fait. Donc si le CPJ démenti ça, pas gain débat dans ça. Donc ça nous doit connaître c'est que journal colombien yo pas jamais blomé scénario, il y a toujours à défendre yo. Donc c'est même genre tout journal haïtien yo t'a doué éviter prend parole média colombien pour l'évangile. Bien dit pour l'évangile. Et n'a souligné pour vous, un sénateur colombien qui pral mandé gouvernement pays colombien pour mandé Haïti excuse pour zak assassinat qui fait sous président. Sénateur Paul Démocratique là Iban Cepeda. Donc monsieur a gain pour convoquer exécutif là dans un débat contrôle politique pour analyser question mercenaires colombien yo dans monde là. Parce que Nexao ben pile problème dans monde là, gan pile coup d'état qui fait c'est toujours soldats mercenaires colombiens qui sont impliqués dans yo. Haïti sécurité, plusieurs individus que la police té fouqué déféré dans paquet Port-au-Prince pour présumer implication dans kidnapping et assassinat contre policier Jean-François Gay, Peterson Derville, Silver Jean-Pierre qui était affecté dans sous-commissariat Port-Haïti Saint-Joseph. Et non individu cela c'est Jerry Derilus, Daniel Julma, Joël Saint-Fleur, Junior Paul, Clairville Davidson, Edouard Louis Don. Mon cap fait photo pour la police. Ba le gars papa. Les gars Jean aura les filles qui mon dans photo, il faut sembler malfaiteur automatiquement. En tout cas, dans notre bord, il y a un conseil électoral provisoire qui voit bah nouveau premier ministre Ariel Henry calendrier électoral modifié pour élection générale à car référendum qui doit être fait année ça. Même d'après ça qui écrit dans une lettre que président KPA Guillaume Misadieu signe, KPA a demandé PM Ariel pour lui convoquer peuple pour élection. Et a souligné pour dans nouveau calendrier élection premier tour présidentiel yo législatif yo ak réalisation référendum nan en Haïti prévoit et fête 7 novembre 2021 kap pa vini la d'après membre KPO, tandis que deuxième tour élection présidentielle yo législative yo municipal et puis local yo fixé pour 23 janvier 2022. L'autre grand point kap domine actualité a après yo fin rencontrer chef groupe gang armé village de Dieu Iso. Comité kap chache yon entente pour zam sispan chante nan entre sud capitale la chita pale ak ka chef gang armé Grand Avignon til apli mercredi 11 août 2021 nan kad yon interview yon nan mam comité sila Yvon Jérôme Bay ak Sal Nouvelle Marchandise Haïti ki fè konnen réunion yo te déroulé nan fief mandi yo pa vle bay détail sou sak sorti nan rankont yo. Ancien magistrat commune Kafoua précisé nan kad série rankont sila yo yo pa mande bandi yo déposer zam mais plutôt pour faciliter circulation en fait Jean sa tadouyer pour population surtout moun kap sot ta kafou Fontamara pour citer ça seulement ka entreprendre activité yo sans qu'est cassé. Yvon Jérôme qui prévoit bay yon résumé sous toute rencontre avant longtemps signalé diel ant bandi yo pa piti pendant le mettre accent sous sal relé yon main caché qui gagne derrière ça qui a passé yo conseiller pour tout monde prier pour comité a pour toute bagaille passer très bien pour peuple là car aller en souffre après tout un moment difficile ça yo
t'a répondu une question une journaliste à la Nouvelle Média. Nous invitons Koutel pour plus de précision. Magistrat Yvon Jérôme, bonsoir. Aussi, on a un monde qui est composé de comités qui a cherché à parler ensemble avec Bandio. Dis-nous non, comment rencontre ça? Moi, je profite de l'occasion pour saluer vraiment salle des nouvelles là, tout ce qui connaît en général. Et puis, tout le monde qui branche, et surtout par rapport à la situation que nous vivons là. Jusqu'à présent, à partir de mise en place de gros comités, ça, que moi-même, j'ai été rejoint en route. Et côté, les initiateurs sont des personnalités comme un journaliste qui est le Sanor, des camarades Sylvestre, qui est le sage, et puis qui est coiffé par le prêtre qui est responsable, paroisse, Saint-Bénadette-là. Moi, j'ai jugé que, encore une fois, dans le cadre de voix émission, ça, c'est bien envers communauté, mais envers monde, envers pays, et pour me trouver maintenant, en tant que comité, ça, à partir de l'objectif que nous gagnons, pour nous enclencher un processus de dialogue qui déjà a commencé depuis hier, et qui pour bail, on a les souffles dans la zone, là. Et faut dire tout auditeur, auditrice, internaute, etc., démarche nous en lien avec une démarche citoyenne. Nous pas venir remplacer la justice, parce que nous pas en institution. Nous pas venir remplacer la police. Nous pas objection, ni retirer droit à monde qui est victime pour nous porter plainte. Donc simplement, mettez-nous en mission, même de n'importe groupe de monde des cabanes, pour nous demander, monsieur, une opportunité pour nous aller en souffle. L'autre bagage encore, nous payons mandaté pour que dialogue entendu avec monsieur autour de questions de désarmement. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas parler de questions d'armes avec nègres. Nous ne sommes pas prendre une revendication dans le même tout. Parce que nous pas des envoyés de secteur. Donc nous simplement demander comment possibilité pour son intérêt en souffle. Parce que pour la première fois, plus passé deux mois, nous à la merci de M. Léo, avec le mépris de l'État central, avec l'inexistence des autorités, donc, puisque nous considérons des noms comme proximité de voisinage avec monsieur, qui vient évident pour nous dire catégoriquement, c'est mettre corps payé corps, puisque c'est voisin qui a bataille, ou même si d'habiter quartier, il est évident que nous essayons de voisins pour pas nous en souffle. Oui, alors, on se magistrat ou là? Oui, je suis là. Je veux t'en connaître. Qui pourrait constater que vous avez quelque chose à discuter ensemble avec Bandi, ça que vous rencontrez jeudi? Et ceci, ISO, que vous avez rencontré hier? Comme dit, nous permettons, nous avons été dans l'inscription pour nous parcours, il y a personne qui s'est discuté dans la mi-temps en compte. Yo. Puisque nous sommes censés avoir 4 rencontres pour nous faire, c'est l'un final de tous les 4 rencontres, nous avons fait une synthèse, et à partir de synthèse-là, en concertation avec eux-mêmes, à partir de ça, sorti, et puis dans le prochain step-là, et puis automatiquement, pour conférence de presse, qui dit. Mais ça interdit, mais ça interdit, mais à qui ça nous sortit, et bien qui premier geste qu'a fait pour que, au signal qu'il voyait, malgré que nous plus ou moins, t'as remarqué qu'il y a plus de machines qui fréquentaient ou non, pendant ces débuts de semaine là. Mais faut dire tout le monde, c'est une grosse responsabilité. Parce que, dossier Matisse n'a pas pitié, dossier troisième n'a pas pitié, il y a des mecs cachés aussi derrière. Donc, son responsabilité nous prend, et c'est ça que ça nous dit. Quel monde qui félicite nous dit merci. Quel monde qui a craché sous lui, nous dit merci tout. Mais sauf que faut reconnaître que, démarche ça, n'importe monde qui apprend. Et c'est pas que nous stigmatiser monsieur, c'est ça quoi la solution, non. Chita avec vous, pas là avec vous. Parce que, vous pas vraiment nous bandit. Comment ils ont fait une bandit? Mais dans la situation bandit, vous avez fait que c'est nous qui avons souffert par le fait que nous avons bataille entre eux. C'est pas nous-mêmes, bien évident pour que nous-mêmes en tant que citoyens, nous engager nos tous deux démarches ça, juste pour nous allons souffrir. Dis-nous, qui bon rencontre ça a été fait? Dimanche, rencontre là, il était fait dans le village là même, côté bon la mer, mais il y a un bel espace qui est aménagé, nous recevons là, puis rencontre aujourd'hui en fait la caille et il a pris directement dans le salon la caille. Côté de recevoir nous, sans aucun problème. Et chaque rencontre, il y a un qui est tué près de 2 heures de temps et quelqu'un, il y a un qui est tué près de 3 heures de temps. Est-ce qu'il n'y a pas fait nous aucune promesse par rapport avec Ndakababdi, d'après que nous avons quelque chose discuté ensemble avec eux?
Encore c'est la même réponse, nous avons fait une réserve en termes de sa TV et en termes d'engagement, sauf que tout le monde a ouais, à travers les photos. On crée une photo, nous mettons en viral, qui sont update, qui montrent que la rencontre a bien commencé, il est bien fini, et sont formes d'information et de signal que nous voyons dans la population, qui dit que on volonté, on vérité, pour nous joindre au minimum de satisfaction. Alors, grand pile monde qui peut-être a fait analyse ça, nous rappelons que pendant début de semaine, on a lancé un appel ensemble avec groupe Arméo, comme quoi, pour y avoir une pause par rapport avec, on a dit, conflit qui a eu lieu dans l'entrée sur le capital là. D'ailleurs, je dis à la, il y a pile échange de tir. Malheureusement, il n'y a pas une pause là. Ça n'empêche pas que, donc, la discussion est faite. Mais, Kounia, est-ce que ça paraît nous, on dit, j'en suspecte, comme quoi, pour pas avoir une issue? Après un coach, c'est tout. Appel là, il n'était pas pris en compte. Respiration régulière. Nous sommes très optimistes qui garantit que la population de raconte ça. Encore une fois, tout le monde qui croit en positivité et qui veut faire un pays maintenant, recevoir un aller souffle, nous allons prier pour nous. Et tout le monde qui a fait vous remonter, nous invitez-nous à la réflexion parce que chaque monde qui a fréquenté ces zones-là, ou qu'on enveloppe blanc dans mon à un green cartouche, c'est ouvert pour qu'on ouvre pour prendre. Donc nous tous dans le même bateau. Oui, ancien magistrat, on t'a conclu avec garantie que vous avez la population. Oui, nous t'ai dit que, premièrement, on peut apprécier l'initiative. Là. Priez pour nous, pour l'aboutir, à ça de l'aboutir. Parce que le danger, on n'est pas surtout monsieur que nous voyons, mais ce sont les mains cachées qui alimentent cette situation. Maintenant, on monte tout qui n'est pas apprécié, pas craché sous lui, pas interprété. Malgré le comité a pas cherché pour faire bandi ou faire la paix, la police nan Bopal a frappé red nan Matisan tout 7h25 nan aswe 11 d'août 2021 selon Ventbef Info. En pile coup de balle tap chanté, la police a toke kon ak bandi yo, ça vient créer yon embouteillage tête chargée et gen machine qui était en panne qui était bloqué route là. Et plusieurs unités spécialisées dans diverses blindés dans Matisan 17 ak 19 tapto qui konak bandio a signalé que en pile moun bloqué dans était bloqué dans portail Léogane yo pote ko ka rentrer la caillou dans kafou dans moment t'a enregistré vidéo ça. Haïti météo, dernière nouvelle qui fait tomber concernant tempête tropicale Fred qui fait quelques dégâts dans pays voisin. Et ben bonne nouvelle pour Haïti, Fred pa yon tempête tropicale encore. Kounya li toune yon dépression tropicale, pi gwo van li yo ap soufflé à 39 000 à l'heure et protection civile fait tout moun konnen, même si Fred faibli, li toujours marché ak bon coup la pli continue rete veatif jusqu'à ce que cyclone nan quitte Haïti. Yon lot bo, toujours nan même l'idée pour mande libération pour tout prisonnier politique yo et pote soutien ak fami yo. Coordonnateur général AAA, Haïti en action, ancien sénateur Yuri La Tortue, nan tête collé ak Fem La Tortue pour te soutien yo. Bay kek fami prisonnier politique nan livré kek plateauze accompagné ak enveloppe pour yo capable bousquer
la vie pendant Mario fermé derrière barreaux. Machandé a été sous place, n'a pas évité au côté ancien sénateur pour plus de détails. Premièrement, dans la dernière conférence de FEA, nous demandons la libération des prisonniers politiques. Et ceci nous clair, il faut que les prisonniers politiques soient libérés le plus rapidement possible. En attendant, nous mettons toute pression d'ailleurs, nous dit. Et nous voyons que le dossier, c'est au niveau de la Cour d'appel. Il est important pour la Commission de décider ce dossier, parce que le dossier à Noël, il n'est pas au niveau de l'accusation, il n'est pas au niveau de la Cour de cassation, c'est au niveau de la Cour d'appel. Nous allons mettre toute force pour justement libérer les prisonniers politiques. Nous allons mettre dans la situation ça, où on est en prison à cause de convictions politiques. Mais je dis à quoi l'activité qu'on fait avec madame, monsieur qui est en prison, ou bien maman, que au niveau de ferme la torture, nous gagnons eh bien, quelques heures que nous avons, ou que même pendant Mario en prison, nous fait activité. Nous devons faire depuis longtemps, malheureusement, nous pas lancer le même l'heure avec madame et policier qui mourent. Mais je dis à quelqu'un, en gros, personnalité qui présente, c'est lui qui toujours bataille pour prisonniers politiques. Donc moi-même, je ne vais pas parler de ça, je vais aller mettre Caleb, parler de l'activité ça. Mais deuxième activité, c'est des jeunes au niveau de Bel Air, qui là, nous songez, Jean, je voulais quand même, ils ont grassé au niveau de Bel Air. Et les jeunes, je dis, d'accord, ils ont commencé à repeinturer quand même. Vous mettez vie dans Caillou et M. Sao a bénéficié d'un chèque pour acheter de peinture parce que nous voyons que aujourd'hui, un pays ça, malgré le problème que le gagne, il faut nous faire effort pour mettre la vie des jeunes Sao et c'est eux que nous remettons dans le chèque là pour que vous achetez peinture, vous commencez à peinturer tout le cas, ni dans le Wittsmas, ni dans son fils. Ça fait. Donc, ça va finir par les deux lits, mais en attendant, on a passé même Caleb Jean-Baptiste qui a parlé de l'activité prisonnier politique. Merci sénateur. Moi, je salue la presse qui est présente aujourd'hui. Je suis sénateur Adila, sénateur Ibrahim Lamouture. Premièrement, nous remercions lui. Nous avons tous les prisonniers politiques. Nous avons maman, madame, Kilik, tous les prisonniers à Belzon Gonet, Grenal Coutois, Jean-Denis, Sidekan, Mackinton Estéril, Gary Filemon. Et tout notre prisonnier politique qui va bénéficier des œufs que ferme la torture, qui va offrir avec madame prisonnier politique, maman prisonnier politique. Jodi a fonclé avec nous, nous comptons pas plus parce que nous connaissons que l'homme en prison, maman, petite, madame, nous avons succédé. Jodi a nous connaissons que nous gagnons un pile prisonnier politique en aide de l'autre monsieur. Il y a 20 mois dans la prison, je dis à sénateur apprenti avec eux. J'ai toujours fait parler de eux, mais je dis à livrer par un bagage pour faire un petit business. Et nous-mêmes, comme avocat pour les politiques, j'ai ça, d'aller droit fondant que nous, parce que il y a des gens qui ont parlé, qui ont fait action. Sénateur Yuri Latortue lui-même, non seulement il parlait, il fait action. Et je dis à encore, il prouvait pour que je parle remettre avec madame. Maman, que je n'ai pas dit, je ou le cas au moins vous dit quelque chose. Combien de monde qui concerne les parents de gestion? À Gampil, parce que ça, ouais, là, pas seulement je sais rien. Gampil, l'autre jour, ça, c'est comme si symboliquement, vous pouvez. Mais vous prenez nous Gampil, en pile que je n'ai pas dit. Nous gagnons. Et madame, vous n'êtes pas présent là. Tout le monde qui n'est pas présent, nous gagnons Belson Gonek. Nous, madame, ni pas là. Mais nous allons entrer en contact avec lui là, la privée sous peu, dans quelques minutes à la place. Nous gagnons tout l'autre gars, il file mon Mackinton Estéril, Babas, Job, Kilik, Tidekan, nous gagnons même mon cap tout, madame Bouchon de Botico, cap tout par exemple, nous gagnons Guito Jean-Baptiste au cap, madame ni sous l'islam, nous gagnons Ziki tout pour son jeu pour vous. A veut dire, c'est symboliquement ça fait, mais tout le monde peut me baser en balier. Et moi, sénateur, merci, merci parce que c'est un pile propre, ça c'est l'accepter ma fête. Et pour le remettre, j'ai des bagages, ça a été qu'avant, j'ai choisi de faire un cadeau avec madame et maman pour jouer politique. Et m'a profité de mon tour pour nous demander avec coup d'appel, prendre responsabilité,
côté que nous avons un certificat qui sorti hier, je dis dossier va jamais déposer dans le cour d'appel. Et immédiatement, le certificat publié, il y a un révoqué greffier parce que le bâtiment n'a pas lié. Et il y a un autre certificat qui dit dossier a été dans le cour d'appel. Nous avons demandé pour les gens qui l'ont dirigé, nous prenons responsabilité pendant que nous-mêmes avons continué à faire le travail technique pour nous faire l'éducation. Sénateur Yula, tu merci en pile. Nous avons toujours des bons diplômes. Merci M. Kalem, je m'apprécie ça, nous féliciter M. Kalem pour agir. Nous avons de conviction et nous passons avec Bataille d'arriver à libération. Maintenant, deuxième activité, c'est au niveau de Bel Air. Nous avons jeunes que nous promettons un chèque de 100 euros. Il y a même qui activité à faire dans la zone sans fil. C'est ça. On va parler de ça. On va retirer façade caillou, rue, pour que la vie qui reprenne dans ces zones, pour que les bandits aient empêché de vivre. Donc, dans ce sens, beaucoup de mains que nous montons avec eux. Et on va se voir un petit mot. On va remettre le chèque là-dedans. Et oui, tout bon, 2022. S'il vous plaît. Puisque ça a dérapé, c'est encore pour déraper grand pile. Donc, moi, je pense que si nous avons pensé avec Haïti, nous avons un pays dans une situation difficile, même pour que chaque monde qui nous mettre pour que nous reprenions vie. Si nous ne pas faire, c'est pays qui va aller à la dérive. Ah, ça c'est un moment, mais moi, je vais sauver. C'est la question de Martissan. Nous connaissons que le pays a vécu une situation inacceptable. Je dis à il y a 4 départements, Nip, Grand-Est, Sud et Sud-Est, et en partie dans l'Ouest. À partir de Carrefour, il y a pile de monde qui vivent là-dedans. Eh bien, qui va vivre. Parce que plus fort business dans notre zone, il n'y a pas d'habitat dans le Grand-Ouest, plus fort monde ne va pas aller travailler. Nous-mêmes nous disons, dernièrement, nous avons fait recommandations sur la question ça. Mais encore une fois, nous avons invité la police pour prendre sa capacité. Pour que l'opération qu'il a fait soit bien menée. Et également, chef gouvernement, Ariel Henry, que l'autre jour, nous t'ai rencontré, et qui t'a dit non lundi, tout va résoudre le Matissa. Et moi, je dis, moi, je ris, parce que tout va résoudre le Matissa. C'est un bagage qui m'a dit tout le temps, qui m'a dit préparation. Le premier bagage que m'a dit, le problème là, c'est pas route là. C'est pas sous route là. Le problème là, il y a 3 différents gangs qui ont bataille pour gagner l'occupation du territoire qui est route là. Et je dis à la police de préparer. Le gouvernement doit faire équipement à la police. Il doit faire propre intelligence. La police doit faire un redéploiement, parce qu'il y a un peu de monde qui est habitué dans ce temps. Il doit faire un redéploiement avec d'autres policiers pour faire opération dans le lieu. Côté de Gambioui, c'est pas sur route là. Sur route là,
il a retourné la caillou et après il a fini encore. Même j'ai l'ordre sur nous, la police voyait 3 temps, 3 blindés, et puis ça s'est passé. Plus monde tombé, et monde pas capable. Donc il faut faire opération dans le lieu côté que les bandits ont sorti pour que vous mettez, on fait la question. Donc je vous dis à la population, il mérite ça. La population n'a pas qu'à vivre ça, n'a pas qu'à oublier ce qui a passé là. Et toute bataille ça qui est faite pour nous arriver jeudi, moi je pense qu'il faut que deux revendications au minimum, libération des zones politiques et sécurité de la population. C'est deux minimum avant nous entrer dans notre bataille. Et c'est pour ça que nous dit la police, prenez responsabilité, faire opération, gouvernement par équipement approprié. Depuis longtemps, moi j'ai dit que Blendé n'est pas bon. Blendé, ça n'a pas qu'à faire travail ça. Et moi, je pense que si la police et l'équipement, si je dis à propre intelligence, dans l'aller dans la police là, pour faire travail là, si je dis à yo fin détruit tout lien entre l'exécutif là et bandit qui pour la poudre propre là, moi, je pense que l'opération est importante et nécessaire pour que, avant l'école là, on souffre qu'il allait et la circulation reprenne dans la zone. Je devrais demander ça. Et chaque semaine, nous avons toujours un point jusqu'à ce que vous m'avez fait. Parce que nous voyons que je dis, on manque de volonté dans la question de ça. Même si on manque de volonté pour prisonnier politique, nous voyons dans pile virer tout le monde, on manque de volonté dans la question de ça. Et tout les deux important, pas oublier, c'est moitié de la population haïtienne qui est bloquée. Et c'est des gens qui sont en prison pour conviction politique. Sénateur, est-ce que vous pensez. Si grand c'est de monde, c'est la guerre au besoin, eh bien, nous n'avons pas besoin de monde dans le pays. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin que la population a vaqué à l'occupation. Il est anormal que chaque jour, des milliers de monde ont perdu la position, ils ont quitté Caillou, ils n'ont pas qu'à connecter à leur département parce que bon situation que la police, le gouvernement, pense que c'est normal. Il est anormal, et si grand monde, c'est sous de sa vie, la gestion de leur bagaille, parce que la population doit vivre. En paix, la population doit protéger ces populations qui ont circulé dans la rue, bandits de la prison. Donc je dis à ceux qui ont le monde, c'est la grande prison, c'est la prison. C'est la C'est pour ça que vous avez déplacé au Gabini. Vous avez commencé dans le côté accessible. Vous avez demandé à la police de continuer à faire le travail pour que le côté pas accessible soit venu accessible. Sénateur Latortu, vous parlez des services, l'agent qui est disponible pour service, renseignement au niveau de la police avec équipement approprié. Mais par rapport à ce qui est passé dans le petit passé, là, vous avez demandé d'attaquer différents commissariats avec ce commissariat. Et puis, pour le problème socio-économique là, est-ce qu'on va penser que ça est capable de gagner une répercussion négative qui fait que le moral policier est tellement bien bas, mais là, il y a une partie de l'opération policière, on va penser que ça va réussir. Moi, je comprends ça, moi, je comprends que le policier participe à l'opération, il échoue le moral bien bas, mais il faut que le policier abonnez au service de la justice. Ok? Et le policier qui a perdu en bataille, il va perdre la guerre. Et je dis à nous, pas qu'à perdre, bien ça. Population haïtienne dans Brunière. Et c'est pour être ça nous dit, voilà ce qu'il faut faire pour que nous résolvions le problème là. Tout le monde qui est dans la zone ça a été vivre. Tout le monde qui est dans la zone ça a mérité petit bout à l'école n'est pas bien. Ils méritent eux-mêmes pour y aller travailler. Moi je pense que l'État doit ça. Et même si c'est un bon échec, il faut que vous revisez l'opération. Vous faites l'opération côté où vous faites. Et vous arrivez à libérer la zone là. Et que la circulation reprenne. On a encouragé les policiers à faire travail. Le gouvernement a mis des équipements pour les policiers pour que la circulation soit grande et que plus de 4 à 5 millions de monde qui vivent dans tout département soient rentrés dans l'activité économique. D'ailleurs, nous voyons que l'activité économique est ralentie, le PIB est diminué et malgré tout, le problème est monté. On ne peut pas dire ça parce que nous ne pouvons pas produire du tout. Et nous obligés, même minimum là, obligés à acheter l'homme. Sénateur, nous remarquons
et accord politique là toujours bloqué. Il se passe au mois depuis l'assassinat du président. Donc, au niveau à qui ça a fait, est-ce que nous participons à la discussion et beaucoup de société civile là ou bien dans le cadre? Bon, il y a une discussion qui participe là-dedans, surtout au niveau de l'Europe. Moi, je pense que il y a un draft d'accord que vous posez et nous allons avoir une réunion pour nous regarder exactement ce qui s'est passé là-dedans. Oui, il y a des dernières positions, surtout dernièrement par rapport avec la transition. Pour comparer, qui a fait dans le moment ça, qui a fait après l'élection. Donc, ça, il y a des gens qui n'ont pas trop d'accord avec la position ça, ou qui ont des explications. Mais ça me dit, il y a des gens qui ont pas bien interprété ça. Moi, je dis que quand il y a là, dans la situation qu'on est arrivé, l'opposition doit être ensemble pour nous arriver à faire une transition de rupture. Si on ne pas faire, nous ne pouvons pas arriver à faire. Nous ne pouvons pas avoir un projet commun ensemble. Que nous avons présenté pour nous faire. Et si vous ratez, il faut taper peut-être ensemble pour l'élection, pour que vous arriviez dans le pouvoir et faire ça pour mettre la population. Moi-même, je dis à la cour en temps, parce que fondamentalement, nous avons dit à faire, moi-même, je suis avec vous. Et c'est peut-être ça que je dis à la semaine dernière, nous avons appuyé dans la question de la sécurité. Je dis à la appuyé dans la question de la sécurité, c'est le travail que nous avons parlé de vous. Si nous sommes arrivés là, ce n'est pas. Critiquer le monde, c'est faire effort nous-mêmes pour que nous arrivions à faire ça nous dit au passé. Et moi, inviter encore une fois l'opposition à comprendre que vos nécessités historiques pour vous entendre sur mon proposition, pour vous appliquer ça nous dit fondamentaux. Parce que si vous ne faites pas là, il y a prêté en dernière chance dans l'élection, mais si vous ne faites pas, vous avez dit, vous avez le droit à une démocratie, que ce n'est pas faute. Je dis à vos nécessités historiques. Pour nous mettre ensemble, pour nous faire ça, nous dédie comme fondamentaux dans la transition de l'autre. L'on parle d'élection. Élection, après l'entente, parce que vous comprenez que les barrières sont centrées sur les possibilités d'avoir un accord politique global entre différents secteurs. Est-ce que c'est l'élection, Ariel Henry, a parlé là, bien, en transition, après transition de l'autre? Non. L'élection à venir, c'est l'équifinalité de transition de l'autre. C'est l'équidernière étape là. Et c'est pour être ça nous voulons, et on tête ensemble pour nous mettre en place les fondamentaux, mettre un climat qui est favorable et laisser arriver l'élection. Pas qu'à courir faire l'élection comme ça. L'élection a fait l'heure possible, mais il faut commencer par respecter les fondamentaux de l'élection, libération des politiques, sécurité, un nouveau CEP, audit sous papier électoral, une atmosphère pour que les partis politiques fassent compétition pour arriver dans la question de l'élection. Mais moi, je crois que c'est important pour nous commencer avec la première étape. Qui s'est fait entendre? Vous avez parlé de au gouvernement et de bicéphalité, bicéphalité dans le pays là. Ou même comme on dit, les placés qui sont chita dans le réunion, qui rencontrent avec nous, dans quel niveau le pays est là? Est-ce qu'il y a une priorité avec Ariel Henry ou sinon avec le président? Je m'ajoute un autre détail. Ariel Henry dit clairement pas de provision aujourd'hui là pour le président dans ce pays. Mais pas de provision pour Ariel Henry. Parce qu'il va passer devant la main. Donc je dis à son consensus, et consensus là, la fête selon le cadre légal que nous avons en Haïti. C'est vrai, je dis à des institutions paquets, mais le cadre légal en Haïti, les répondre à un cadre légal, l'exécutif municipal. Donc, ce n'est pas que pas de provision pour nous, le président, pas de provision pour nous, le président. Donc, il faut avoir un consensus pour respecter le cadre légal. Et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, nous voulons aborder la question de transition. L'essentiel, sénateur de la clôture, ne peut constituer aucun bon cadre. Dès qu'il y a un bon entente qui fait sous gouvernance pays, c'est la moindre constitution de blocage là, parce que nous aimé que le pays nous sorti dans l'état lamentable, économique, sécurité du pays là, pour nous aller de là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, je crois. Je vais vous donner un peu de temps.
Ce détail ça aucun te porter pour un bulletin d'information ça déjà n'a dit tout le monde bye bye rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo.